Kessel. Monde de Marsan se démarque un peu. En effet, Eric, elle propose un groupe avec un fort potentiel. Reste à savoir si leur adversaire du jour sera leur poser des problèmes. Nous pouvons toujours nous attendre à des revirements lors de ces matchs serrés. Encore le contrôle du ballon. Valentine qui joue avec Kofi. Un peu long ce coup d'envoi, non? Très beau contest, tout en puissance. Les joueurs de Mont-de-Marsan tentent de repousser le pack adverse. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Sa bataille dans le ruck. Il garde la possession du ballon. Attention, ça va être un ruck. Ballon toujours entre les mains de l'équipe de Carcassonne. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Et oui, rien ne peut l'arrêter maintenant. Quelle action extraordinaire qui amène à cet essai. On voit toute la concentration sur le visage du botteur. Ah, il s'est précipité, espérons qu'il se reprenne vite sur son prochain jeu au pied. Passe après contact réussi. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Il conserve le ballon. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Point de fixation pour l'attaque. Conservation du ballon de Carcassonne. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Ils parviennent à conserver le ballon. Le ballon circule bien. Pour Saké, transmet à Jasmin. L'attaque conserve le ballon. La passe. Nouveau point de fixation. Il conserve le ballon sur ce ruck. Valentine qui donne à Maïté. Ah, il rentre à l'épaule dans ce ruck. Il accélère le long de la touche. Et c'est une touche pour Mont-de-Marsan. Ils ont décidé d'aligner 5 joueurs sur cette touche. Ballon conservé sur cette touche. Les joueurs de Mont-de-Marsan qui forment un maul. Les attaquants n'avancent plus sur ce maul. Beau travail de la défense. Ah, la passe ratée. Ils ont un avantage sur cette action. Et encore une imprécision. Flexion. Lié. Jeu. Très bel effort des avants qui récupèrent le ballon. Ils vont pouvoir récupérer le ballon de cette mêlée. Et le numéro 8 met la main sur ce ballon. Un beau décalage sur le côté. Attention au crochet. C'est bien, il y a du soutien. Ils ont encore le contrôle du ballon. Le ballon est transmis. Et on atteint la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Ah, quel essai! Ils ont mis toute l'intensité nécessaire et sont récompensés par ce magnifique essai. Bravo! Ils n'ont pas hésité une seule seconde et ont saisi l'opportunité de marquer un très bel essai. Et il trouve le chemin des perches. 12 de Carcassonne. Voilà, la première période de ce match est terminée. Encore 40 minutes avant la conclusion de cette rencontre. Voyons si Mont-de-Marsan parvient à revenir dans la partie. Tentative de plaquage. Les joueurs de Carcassonne sont toujours en possession du ballon. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Offload. Il est bien coffré par la défense. L'équipe de Carcassonne conserve ce ballon. Ils font bien circuler le ballon. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ils ont soigné la conservation du ballon. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Ballon toujours pour Carcassonne. C'est un ruck pour Carcassonne. Le jeu de passe. Et il parvient à libérer malgré le contact. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Un ruck qui s'est formé.
Les joueurs de Carcassonne vont garder ce ballon. Il faut venir au soutien. Ballon toujours pour Carcassonne. Belle précision et bonne exécution sur ce offload. Faut aller au large. Quelle percée. Et les avants forment un ruck. Ils conservent le ballon. C'est un ruck. Beau plaquage. Conservation du ballon de Carcassonne. Et il ne s'est pas appliqué sur cette avantage. Passe. Carcassonne. Les joueurs forment un ruck. L'équipe de Carcassonne a encore le contrôle avantage du ballon. Terminé. C'est un ballon impeccablement capté par Laoussas Piassou. Et il la prend. Faudrait aller sur les ailes. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ils ont décidé de profiter de ce temps mort pour procéder à des changements. C'est important d'avoir un gros banc pour pouvoir faire ces changements. 80 minutes d'effort, c'est long à tenir. Touche à 5 décidée par le capitaine. Ils vont pouvoir travailler sur cette touche bien conservée. Il y avait un trou dans la défense, il l'a pris. Il ne peut plus être rattrapé maintenant. L'entraîneur décide de procéder à un remplacement. Oula, ça manque de puissance comme coup de pied. Attaque stoppée, formation de ruck. La question que tout le monde se pose maintenant, vont-ils prendre la tête au score? Il y a un changement annoncé par l'équipe de Carcassonne. Oh là là, manque de puissance flagrant sur cette tentative. Ce sont des choses qui arrivent, il faut reprendre confiance et essayer de faire mieux au prochain coup. Il capte bien ce ballon. Passe la balle pendant le plaquage. Les deux packs sont en place. On va pouvoir bientôt introduire sur cette nouvelle mêlée. Flexion. Yeah. Jeu. Qui renverse cette mêlée. Ah, quel dommage pour Carcassonne qui ont pris de plein fouet la poussée du pack. Plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre. Ça va jouer avec le numéro 8. On assiste à la formation d'un ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Bosch passe à Ré. Jasmin, il y a un décalage. Plus rien ne peut l'arrêter. Ça va se consommer au point de rencontre. Il faut venir au soutien. Il conserve le ballon sur ce ruck. Valentine passe son ballon. Passe mal ajusté. Thalès qui parvient à libérer malgré le plaquage. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ballon bien gratté par la défense. Il y a un coup à faire sur les ailes. Une mêlée spontanée se forme. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Valentine transmet à son coéquipier. C'est un ruck pour Carcassonne. Passe. Il est mis au sol, il va falloir libérer. L'attaque conserve le ballon. Mêlée spontanée. La balle circule bien. Un ruck annoncé par l'arbitre. Le ballon est conservé par Carcassonne. Un beau décalage sur le côté. C'est vrai, Eric, les joueurs sont très appliqués aujourd'hui. Il fallait le tenter, ils l'ont tenté, ça marche parfaitement, quelle action! Le buteur se prépare à transformer l'essai. On vient d'assister à un match à sens unique. L'équipe de Carcassonne a bien su mettre